À présent, et on va parler des castors de Brenne chez les messieurs, les castors qui sont montés, vous le savez, et qui évoluent donc maintenant en National 3. 5 matchs ont déjà eu lieu cette saison. Le sixième se déroulait ce samedi soir contre le Royal Anderlecht à la salle Gaston Reiff. Un match que nous avons suivi, mais qui nous permet surtout de faire le point sur les ambitions des castors, ainsi que sur le groupe qui a été mis en place pour la saison, car il y a eu des arrivées. Les images sont signées Dominique Sirot. Avec la Division 3, les Castors de Brenne ont retrouvé un niveau plus en adéquation avec leur riche histoire. Le club a dû se reconstruire ces dernières années, mais le projet est aujourd'hui bien en route. C'est le même projet depuis 4 ans. C'est en fait à chaque niveau, toujours sur trois années, essayer de monter. Donc c'est notre première année, donc l'objectif clair cette année-ci, c'est le maintien. Maintenant, évidemment, on est bien parti, mais il faut continuer jusqu'au bout, bien sûr. Un maintien que les Castors iront chercher en gardant leur ligne directrice, misée sur les jeunes. Hier soir, face à Anderlecht, ceux-ci ont en tout cas reçu pas mal de temps de jeu. Évidemment, avec la montée en Détroit, il a fallu se renforcer. Le groupe est maintenant plus fort que l'an dernier, grâce à l'arrivée de quelques recrues importantes. Ils amènent un peu d'expérience, mais je pense surtout qu'ils m'amènent à notre niveau, une rotation ou deux rotations en plus. Je veux dire, on a des joueurs qui n'ont pas encore joué à ce niveau-ci en Détroit. Donc je leur demande de jouer à 200% et on ne sait pas jouer normalement 40 minutes à 200%. Et donc c'est pour ça que ça me permet d'avoir beaucoup plus de rotation. Parmi les nouveaux venus, Eric Toussaint, Tom Gain ou encore deux joueurs de l'Atomia que l'on avait connus à l'époque au RBC Waterloo, Ignace Ngabo et Patrick Abibo. L'intégration de ces nouveaux éléments s'est parfaitement déroulée. Les joueurs brabançons se connaissent tous très bien. Quelqu'un comme Eric Toussaint apporte beaucoup d'expérience parce que Eric a fait beaucoup de clubs. L'avantage qu'il y avait, c'est que maintenant, dans le Brabant, les gens se connaissent. Donc l'intégration était facile parce qu'on jouait contre ces joueurs-là depuis des années, depuis tout petit. Donc on se connaissait, on se charriait en jouant l'un contre l'autre. Et maintenant, ils sont arrivés, ça a été tout seul, quoi. Donc c'est vraiment ça aussi l'avantage. Le groupe brennois est solidaire, on se bat l'un pour l'autre, comme face à Anderlecht. Les Castors mènent la danse à la fin du premier quart-temps, 22-20, mais sont menés 36 à 47 à la mi-temps. Les Brennois vont puiser dans leurs réserves pour livrer 20 excellentes minutes. Leur rage de vaincre leur permet d'arracher la victoire dans la dernière minute. 75 à 74, une victoire au courage. Je pense que c'est un peu notre plus grande force aussi. Hein. On sait qu'on n'a rien à perdre, on n'est pas attendu. Donc on se dit les gars, on a deux mains, on a deux jambes, on sait shooter, bon, on sait courir. On joue notre chance et puis après on verra bien. Donc je pense que c'est une bonne leçon à tirer, surtout pour une équipe qui n'a pas forcément le talent du National 3, comme quoi la combativité paye. Les Castors de Brenne ont déjà disputé 6 matchs en Détroit cette saison. Bilan déjà 3 victoires. La route vers le maintien est toute tracée. On est à 3 sur 6. J'aurais signé demain en début de saison pour avoir ce pourcentage-là au niveau des victoires. En plus, je pense qu'on gagne 2 matchs à domicile contre des adversaires qui, pour moi, peuvent jouer le haut du classement. On a eu 2 flops en déplacement, mais bon, ça va arriver. Je pense que mes joueurs vont commencer à prendre l'habitude de jouer en Détroit, mais je pense que pour le moment, on peut être très fiers. Tout va bien au Castor, donc, soutenu comme chaque week-end par ses plus fidèles supporters. Ce n'est plus la toute grande foule comme autrefois, mais on espère que le public reviendra. Et on espère justement faire revenir le public au Castor, notamment en ayant la cafétéria. Je pense que si on parvient à avoir cette cafétéria, ça va encore attirer plus de gens. Donc c'est aussi l'objectif de redonner à Brenne ce qu'il mérite, quoi. Les Castors qui joueront la semaine prochaine en Coupe AWBB, ce sera également à la salle Gaston Reiff. Samedi soir, ils accueilleront un club de D2, Carnière. Voilà, qui nous amène au résultat complet en basket. On voit ça tout de suite en tableau. Avec le résultat de Nivelles en D2, Nivelles qui a été battu par Fleurus, 64 à 85. Les Castors l'ont emporté, vous l'avez vu. Et en Régional 1B, eh bien, Nivelles ne jouait pas. En première provinciale à présent, la très belle victoire 54-80 du BG Lothier aux Runners. Victoire également pour le BC Genappe 36 à 78 à l'éclair.
Waterloo 18-15 l'emporte dans le match au sommet à l'Espoir Woluwe, 75-89. Waterloo qui prend seul la tête du championnat après cette victoire face aux favoris de la série. Waterloo 18-15 qui est le promu de P2, je vous le rappelle. Et puis le seul club Brabançon-Wallon défait ce week-end, c'est le Speedy Mont-Saint-Guibert contre Anderlecht 70-76. Chez les dames, enfin, un seul résultat à vous livrer, la défaite du Rebond Otigny en régional 2B à Henri Chapelle, 56-39. Voilà, et on va parler à présent de judo. Nous vous avions tout dit des championnats régionaux qui avaient lieu à Etterbeek il y a 15 jours. Les 4 meilleurs de chaque catégorie se qualifiaient alors pour les championnats de Belgique qui avaient lieu ce samedi.